Charles IV, roi de Bohême et souverain du Saint-Empire, eut un règne long et fructueux. L'empire qu'il contrôlait depuis Prague s'étendait et ses sujets vivaient dans un cadre de paix et prospérité. Lorsque l'empereur mourut, c'est l'empire tout entier qui porta le deuil. Plus de 7000 personnes l'accompagnèrent dans sa dernière révérence. L'héritier au trône de l'empire florissant ne fut autre que le fils de Charles, Wenceslas IV, dont le père le prépara à ce moment toute sa vie durant. Mais Wenceslas ne tenait pas de son père. Il négligeait les affaires de l'État au profit de désirs volages. Il ne se présenta même pas lors de la cérémonie de son propre sacre, ce qui ne le rendit guère populaire aux yeux du pape. Wenceslas l'ivrogne n'impressionnait pas non plus la noblesse impériale. Ses difficultés remontèrent jusqu'aux oreilles des nobles, qui, exaspérés par la passivité de leur souverain, allèrent chercher de l'aide auprès de son demi-frère, le roi Sigismond de Hongrie. Sigismond décréta une mesure radicale. Il ordonna l'enlèvement du roi pour le forcer à abdiquer. Il abusa ensuite de la confusion qui s'ensuivit pour s'accaparer encore plus de pouvoir. Il envahit la Bohême avec une armée de grande envergure et commença le pillage des territoires des alliés du roi. C'est ici que débute mon histoire. Et voilà, bonjour à tous, bonjour à YouTube notamment, parce que je suis donc en direct sur Twitch également. Donc c'était la petite intro du jeu. Donc on va lancer tout de suite une nouvelle partie, on va vite fait aller voir, comme c'est la première fois que je lance le jeu, les petites options. Champ de vision, on va le mettre au max. Voilà, ça on va pas toucher. Français c'est très bien, sous-titres oui, c'est parfait. Donc on va tout de suite lancer une nouvelle partie et on va voir ce que donne le jeu. Gros jeu, hein, parce que malgré ce qui a marqué sur la jaquette, il dit que il faut 24 gigas de place sur le disque dur, mais rien que le patch Day One fait 28 gigas. Après voilà, le patch c'est pas que des rajouts de fichiers, ça remplace des fichiers déjà existants, mais quand même, 28Go de patch Day One, c'est plus que l'ensemble des fichiers du jeu de base sur le CD quoi. Enfin bon, c'est malgré tout banal maintenant pour une nouvelle sortie. Le jeu a l'air super beau quand même. J'imagine même pas ce qu'il doit donner sur PC. Travelling, on sent des petites saccades quand même. C'est pas fluide quand même à 100%.
Bonjour. Bonjour à vous. C'est une vraie fournaise aujourd'hui. Alors, cher mari, où en est-on ? Ça avance. Ce sera réglé pour aujourd'hui. Et où diable est passé Henri ? Je veux l'envoyer me faire 2-3 commissions. Eh bien, il dormait encore quand je suis sortie. Si tard ? Ce paresseux a du sang bleu. Je crois bien qu'il a passé sa nuit à boire. Va donc réveiller ce fainéant. Tiens-lui les oreilles, ça lui fera pas de mal. Henri, lève-toi vite. Allez, on a du travail. Merde. Bouge-toi ou c'est moi qui me déplace, espèce de fainéant. Tu entends ? Mieux vaut ne pas le contrarier. Debout et vite, ton petit déjeuner est sur la table. Mais qu'est-ce que tu t'es fait ? Ne me dis pas que tu t'es encore... Henri, combien de fois dois-je te répéter de ne pas te battre ? Mais non, c'est rien. C'est qu'une égratignure. Alors c'est ça, tu as encore joué au chevalier ? C'est pas vrai. Il vaudrait mieux pour toi que ça n'arrive pas aux oreilles de ton père. Tu sais bien ce qu'il pense de tout ça. T'en fais pas, il s'est rien passé. Je me suis juste égratigné, c'est tout. Bref. J'espère que tu ne viendras pas pleurer le jour où tu te blesseras pour de bon. Maintenant debout, petite crapule. En tout cas, les voix françaises sont plutôt pas mal. Tu es dans un bel état ce matin. Qu'est-ce que tu es encore allé fabriquer hier soir ? Alors, moi j'aime bien les personnages assez agiles. Être avec une fille, ça fait augmenter la vitalité. Ok. Donc, je vais aller danser. J'ai dansé toute la nuit. Danser ? Avec Bianca. Ah, c'est donc pour ça. Mais il va quand même falloir travailler aujourd'hui. Eh bien, moi, j'ai l'impression que tu me caches des choses et que c'est lié à la blessure que tu as à la main. Ainsi qu'à cet homme étrange, avec une épée, qui est arrivé en ville dernièrement. On va mettre un peu d'éloquence. Je sais pas si ça sert vraiment dans le jeu plus tard, mais... Tu crois qu'il m'apprend à me battre à l'épée, c'est ça ? À quoi ça me servirait au village ? Je ne te mens pas, maman. Bon, si tu le dis. Ce n'est pas que je veux être indiscrète, mais tu sais que ton père voit ce genre de choses d'un mauvais œil. Est-ce que Mathieu et Fritz se sont passés me chercher ? Non, je n'ai vu personne ce matin. On peut les retrouver facilement. Ces deux-là doivent sûrement être en vadrouille dans les tavernes, comme d'habitude. Mathieu et Fritz ne sont pas des poivreaux. Est-ce que j'ai dit ça ? Si ça me dérangeait vraiment que tu ailles boire une bière en leur compagnie, j'y aurais mis un terme depuis longtemps. Moi aussi, j'aimais m'amuser à ton âge, tu sais. Et ton père était loin d'être un ange lorsqu'il vivait à Kuttenberg. Ouais, c'est ça. Tu ne me crois pas ? Demande-le toi-même. Pourquoi pas ? Henri, tu n'es plus un petit garçon. Il est temps pour toi de te comporter comme un homme. Hier, tu as promis d'aller aider ton père à la forge.
Si au moins tu te rendais utile et tenais tes promesses, tes petites embrouilles m'importeraient peu. Ah oui, donc en fait, ouais, c'est pas des choix de dialogue, on peut tous les faire au final, en fait. Papa est fâché que je me sois levé tard. On peut pas dire qu'il soit ravi. Tu lui avais promis de l'aider à finir l'épée du seigneur Radzig. Il ne se fait plus très jeune. Ses vieilles articulations l'élancent encore. Il est trop fier pour se plaindre, mais il a besoin de toi, Henri. Je sais, rassure-toi, maman. Bien sûr que je vais l'aider. Tant mieux. Il dit toujours que ses articulations lui font mal à l'arrivée du mauvais temps. J'espère qu'il se trompe cette fois-ci. On dirait qu'on va avoir une belle journée. Tu veux que je t'aide, maman ? Ah, c'est gentil de ta part, mais ça va aller. Va plutôt aider ton père avec cette épée. Bon, déjà, par rapport à Monster Hunter, la PS4 souffle beaucoup moins. J'espère que vous n'entendez pas le bruit du ventilo comme la dernière fois. Mais elle souffle déjà beaucoup moins, ça c'est quand même assez agréable. Tu peux avoir quelque chose à manger ? Je t'ai laissé un petit déjeuner sur la table, sers-toi. Ça fait bizarre, ça fait vieux jeu. Il y en a des choses à voir quand même. Avec la vue, elle est... C'est peut-être le champ de vision qui fait que c'est à moitié bizarre. On va le remettre à la base. Ouais, ça me semble toujours aussi bizarre. Enfin, ça me semble un peu mieux, mais... alors autant les extérieurs sont jolis, autant l'intérieur fait assez. Je sais pas, c'est l'interface qui me paraît bizarre en fait. Ça fait très vieux en fait. J'ai l'impression d'être dans Skyrim quoi. Un plus moche. Bon. Pourtant les extérieurs, les personnages me sont bien plus jolis, mais bon. Ok, génial. Sauf que quand j'étais debout, bah ça y est. Et j'ai l'impression d'avoir un bras qui fait 1m20. Non, 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 pas s'asseoir. Non, 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 recule. Non, non, finis pas ton animation. Oh. Ça va vite m'énerver par contre. C'est. Putain, pour ramasser des trucs. Bon, par contre, c'est pas toujours le cas. En vue FPS, quand on va bien vers soi, on voit les pieds et son corps. C'est pas toujours le cas. Là, si je ramassais la bourse... Non, non, mais pourquoi tu t'assois ? Non, non. Bordel. Allez. Putain, il veut pas se rapprocher. Voilà. La musique est sympathique, par contre. C'est la bourse d'argent là. Apparemment non.
récupérer assez à manger. Alors, crochetage, comment on crochette? Mais pas de crochet, oui. Jusque là, c'est logique. Bon, par contre, comme tout est en bonne 3D, c'est difficile de savoir ce qu'on peut ramasser, de ce qu'on ne peut pas ramasser. Ouvrir. Ce qui est bien, c'est qu'il y a ouvrir sur 3 mètres. Donc on ne sait pas ce qu'on ouvre exactement. On va tout prendre, c'est pas grave. D'accord. Putain, la furtivité, c'est géré. Ça, c'est assez logique. C'est pas mal. Là, la furtivité est bien vue dans le jeu. Parce que c'est vrai que dans beaucoup de jeux, même au milieu d'une foule, tu t'accroupis, hop, ça y est, t'es considéré comme furtif du coup, quoi. Ce qui est pas logique, effectivement. Quand t'accroupis, t'es plus visible qu'autre chose, c'est vrai. Et là, le jeu a l'air de bien retranscrire tous ces petits trucs-là, comparément à beaucoup d'autres jeux où on peut faire de l'infiltration. Henri, mon garçon, tu as besoin de quelque chose? D'accord, elle me dit rien de plus. Donc, par rapport à l'intérieur, l'extérieur est déjà un petit peu mieux fait. J'ai découvert au coup déguisage. J'appelle ça plutôt une brouette, mais bon. S'il veut. Ou alors j'ai raté la roue déguisage à côté. Non, je vois pas où est-ce qu'il y a une roue déguisage. Voilà, ça c'est ce que j'appelle un roue déguisage. Voilà. Quel est ton problème, Henri? Tu ne m'as pas entendu t'appeler? Alors, la petite bouche, c'est l'éloquence. Donc, comme j'ai décidé de monter cette statistique-là, ça peut être pas mal. J'ai un avantage là-dedans, normalement. Ça dépend de la réputation. Ok. Le statut social. Alors, le jeu n'est pas extrêmement joli. Par contre, ils ont l'air que sur la furtivité ou les dialogues, c'est cool d'être hyper pointilleux au niveau des statistiques et
et des relations entre les personnages, et ça c'est génial. Ouais, si t'es bien en brigand, tu fais un choix de dialogue agressif. C'est cool. D'accord, donc chaque PNJ a ses propres stats et c'est en fonction de ça que les choix sont à faire pour réussir à les convaincre. D'accord, c'est l'empathie qui va cerner les gens. Ah, ça peut être pas mal à monter ça du coup. Donc Henri, le garde, niveau d'éloquence 3 par exemple, 7 de charisme, 2 de force. Ils ont pris plein de choses en compte, hein. Si vous parvenez à isoler un garde, il sera plus facile à effrayer, donc ça joue pas que sur les stats, ça joue vraiment sur le côté, bah voilà, si t'es dans une ruelle sombre seul avec lui, ou en plein milieu d'une foule, forcément. Alors que ça, d'habitude, dans les autres jeux de rôle de ce type-là, c'est que tu sois bah voilà, seul dans une ruelle avec le PNJ ou au milieu de la foule, ça change rien, il a des stats, ça passera ou ça passera pas, quoi. Alors. Donc là, on connaît pas les stats de papa. On est censé être très proche de lui, mais il a tout d'inconnu, quoi. on va tenter. L'éloquence. Désolé, il fallait que je fasse quelque chose. Bon, ce n'est pas dramatique. Bref, nous avons du pain sur la planche aujourd'hui. Je vais terminer l'épée pour le seigneur Radzig. J'ai besoin de ton aide. Pourquoi ? Il me manque du charbon. Cours m'acheter un sac au charbonnier sur le marché. Il va me falloir de l'argent. Oui, justement. Inesh me doit encore de l'argent pour une hache, un marteau et les clous que je lui ai vendus il y a un mois. Sans parler de ses anciennes dettes. Va lui dire de me payer pour au moins la hache et le marteau. Ça couvrira les frais du charbon. Inesh, cet ivrogne ? Je vais m'amuser. Ma foi, cool. Il est en âge de pouvoir gérer ça. Sinon, dis-lui que la prochaine fois, je viendrai en personne lui clouer les fesses avec ce marteau et ses clous. Il sera ravi d'entendre ça. Pour tester un petit peu notre éloquence. C'est tout ? Pas tout à fait. Le chambellan du château a la garde en croix que j'avais fait graver pour le seigneur Radzig à Sasso. Tu voudrais que j'aille la récupérer ? Parfait. De l'argent, du charbon, la garde en croix, c'est noté. Et de la bière. Sur le retour, arrête-toi à la taverne pour en prendre. De toute façon, je sais que tu vas y aller pour voir ta belle. Mais assure-toi qu'elle soit fraîchement sortie de la cave. Elle s'appelle Bianca. C'est ça. Donc assure-toi que Bianca m'en donne une bien fraîche. Allez, file. Le travail n'attend pas. Ok. Bonjour à tous ceux qui arrivent sur Twitch, d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire si le son est bon, au niveau du son du jeu ou de ma voix. Si tout va bien. Alors, on va aller en ville retrouver Kunesh. Ah putain, j'ai pas eu le temps de lire tout le message d'aide. Ok, alors, est-ce qu'il y a une carte ? Non, ça, ça veut pas. Le temps presse, ok. Ça, c'est mon cheval. Mais j'ai pas encore de cheval. Ok, est-ce que je voulais voir si j'avais pas une carte, mais a priori, le menu, mais voilà. Le temps presse, le menu m'est caché. Je vais voir si j'avais une carte pour voir mon objectif. Et a priori, de toute façon, là, tout est fermé. Je pense que c'est une zone tuto. J'ai pas le choix que d'avancer vers la petite cour là-bas. T'es qui, toi ? Hey, faites attention ! Je m'en souviendrai. D'accord, là. On peut pas parler.
Si, sur ma boussole là, c'est peut-être tous les objectifs, c'est peut-être les petits blasons là qu'il y a sur la carte. Mais du coup, j'aurais aimé trouver le moyen de. Trouver le moyen d'ouvrir la carte pour vérifier ça. Bon, tant pis. Bon, bah, on va aller au château. Hein. On va aller au château. Ah, c'est chiant, faut rester appuyé sur la touche rond pour courir. Ouais, bon. Bonjour, Janek. Que Dieu vous garde. De même, Henri. Comment vas-tu ? Exact, tout est ici. Le chambellan nous les a confiés pour te les donner. On a pu les admirer. C'est superbe. Je n'ai jamais vu un ouvrage aussi délicat. J'ai hâte d'accord, de voir. D'accord, il y a un petit bug de son sur la voix. Attention de ne pas la bâcler. J'ai déjà bâclé quelque chose ? Par où je commence ? Oh, tais-toi et donne-moi tout ça. Sinon ce soir, je viens te botter le cul. Sur le champ, votre majesté. Magnifique ! Dommage que je ne puisse pas garder cette épée pour moi. Je dois y aller. Des logs font un peu haché quand même. Ça s'arrête, il y a 3 secondes de blanc, il continue sa phrase. Ça oui. Après tout le travail que j'ai abattu aujourd'hui, il se peut même que je paye ma tournée. J'irai bien casser la croûte. C'est sympa ces petites infos en tout cas, parce que là c'est même pas un tuto pour le jeu qui explique comment fonctionne la garnison locale dans le jeu, ça explique un petit peu le fonctionnement au Moyen-Âge, et donc du coup le jeu fonctionne comme ça, quoi. Enfin c'est vachement sympathique ça, ce petit truc là. Bon, ça c'est plutôt sympa ça dans le jeu aussi. Alors... On va essayer d'aller vers le petit village. Je pense que ça va être par là la taverne et le reste des gens. Ah bah comment j'ai pu rater ça? C'était ouvert là, j'avais pas vu. Ah bah voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Il fallait appuyer sur le pavé numérique en fait. Ok. Normalement, si je fais flèche du haut, nickel, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Donc, le château est là, moi j'habite ici, mon petit personnage est là. Et acheter un sac de charbon au marché. Sauf que avant, faut que j'ai de l'argent. Et pour avoir de l'argent, acheter la taverne, acheter de la bière, acheter un sac de charbon. Pourquoi A et B, c'est la même chose? Il faut d'abord que j'aille récupérer mon argent. Voilà, auprès de Cunèche qui est ici. Donc c'est le point C qu'il faut que j'aille chercher. Parfait.
on frappe pas à la porte, on rentre direct, quoi. Bah oui, mais moi c'est ma quête, je dois lui parler, moi, à Janesh. On va prendre les sous là. Bon, tant pis. Tant pis pour les sous. Hein ? Manger dans la marmite ? Ouais, non. Je sais pas ce qu'ils ont préparé aussi. C'est froid et dégueulasse. Moi, je mange pas chez les gens comme ça. Moi. Ah, voilà. Kunesh, voilà, c'est toi que je voulais voir. Tu tombes bien. Bonjour à vous, Kunesh. Tu veux quoi ? Mon père m'envoie récupérer son dû pour la hache, le marteau et les clous. J'ai rien pour lui, dégage. Est-ce qu'on est méchant ou pas ? Bon, mais il m'a juste demandé de payer pour les outils, pour qu'on ait de quoi faire l'épée. Vous savez que votre dette envers mon père ne se limite pas à une simple hache et un marteau. S'il allait voir le bailli, vous seriez dans le pétrin. Payez au moins les outils si vous n'avez pas le reste. Je t'ai dit que j'avais pas d'argent, petit merdeux. Dégage d'ici ou la hache va me servir à quelque chose. Ouh. Alors, donc du coup, on voit pas ses stats. Je vois pas à quoi correspond le petit visage avec marqué 65 à gauche. Tout à l'heure, avec mon père, j'étais à 100 et tout à droite. C'est-à-dire qu'il m'aime pas du tout, quoi. Il est peut-être au plus bas, je sais pas trop. Il a l'air d'être fort en... vu qu'il est en mode combat, là, de chercher à la baston. Moi, je suis fort en éloquence. Donc, je vais peut-être pas essayer de me mettre sur son terrain. Je sais que votre... On va y aller à l'éloquence. Votre femme vous a quitté, la picole est chère, et vous êtes aussi utile qu'une roue carrée. Pas étonnant que vous soyez à sec. Mais je ne repartirai pas les mains vides. Fiche ça, putain. Ah, pour bah rater. Comment t'oses me parler ainsi ? Ton voleur de père t'a pas appris les bonnes manières ? Hein ? Je vais te les inculquer, moi. Alors, oula, putain, plein de trucs. Alors, R2, taille, attaque puissante et lente, avec une arme. Coup de poing pleine figure, autrement. R1, stock, attaque rapide et faible, ou un crochet. Coup de poing lent et fort dans la tête. Ils auraient pu faire en sorte que ce soit la même chose, quand même, quoi. Que R1 soit l'attaque rapide, que ce soit avec une arme ou un coup de poing, quoi. Parce que là, c'est l'inverse avec le coup de poing. La touche R2, c'est une attaque lente et puissante avec une arme, alors que c'est un coup de poing direct et rapide quand t'es avec les poings. Et R1, c'est l'inverse. C'est une attaque rapide à l'épée et c'est un coup de poing lent avec les poings. C'est pas du tout intuitif. C'est totalement idiot. Bon, bref. L2 pour repousser. Ok, donc on combat surtout avec les R1, R2, R3, machin. Verrouiller l'adversaire, bon, ça c'est un classique. L1 bloqué. Ok, parfait. Donc ensuite, cet indicateur indique l'état de santé de notre adversaire. Plus il est blessé, plus il sera lent à réagir et attaquer. Une fois dans un état critique, il pourra essayer de capituler ou de s'enfuir. Ok, donc c'est la petite barre mauve, c'est pas la grosse barre rouge. Ah si, parce qu'il y a aussi la barre de santé. Ah oui, non, on n'a pas de deux barres qui se superposent. Il y a ma barre et... Ok, non, j'ai compris. La barre de santé, c'est la mienne, et la petite mauve, c'est la sienne. On voit si on saigne à droite. L'endurance, on avait vu que quand on sprintait, elle se barrait. Je vais essayer de la direction de l'attaque avec R. Bon, on va tester ça, on verra bien. Je le lock. Eh, j'ai bloqué, j'ai appuyé sur L1. Bon, comment je peux faire une chope aussi, moi? En fait, ça fait automatiquement, ouais. Eh, il a refait une chope, c'est... Saleté. Ok, je récupère mon endu. Je te repousse. Mais lui, il arrive à choper à chaque fois. L2 pour mettre un coup de pied. L2 repousse l'adversaire. Ah, bah voilà, quand même. Là, ça le fait. Putain, ça a mis du temps, hein. Ah, ok.
Le champ de vision comme ça, c'est quand on commence à plus avoir d'endu. Ouais, d'accord, lui il esquive tout comme il veut et il fait des chops tout le temps. Alors je sais pas comment on fait une chop, en appuyant sur les deux boutons en même temps peut-être. Non, il part à chaque fois. Ok. J'ai du mal à comprendre le combat, hein. C'est que je fasse du... Voilà. Là je fais du R1 pour des coups directs, mais il les esquive tous. Ou alors il part et il me donne un coup de pied à la tête. Ok. Donc je fais des R2. Non, il me part tout à chaque fois. Ok, c'est génial. Moi quand je fais une parade, il me chope aussi. Et voilà, je fais un coup de pied, il me chope aussi. Ok. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire dans le combat ou que je fasse R1, R2 ou L2. Il esquive tout. Va courir avec une jambe cassée, oui, c'est normal. Ok. Sauf que j'aimerais bien que mes coups touchent en fait. Allez, frappe. En fait. Si je frappe, il contre. Si je fais rien, il me chope. Les personnalités et les capacités de personnages sont déterminées par les statistiques. Ok. Henri progresse en utilisant ses capacités. Alors, vous pouvez choisir des atouts qui ont pas de spécialiser. Ok. Donc on lira après. J'ai enfin l'impression de le toucher un peu, mais bon, sa barre elle descend pas. Et j'aimerais pouvoir faire des chops aussi et me protéger comme lui il fait là. Ok, approche. Et dès que j'approche, il me chope. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi les combats dans le jeu à main nue, quoi. Mais putain, mais donnez-moi une arme, quoi. Et moi, quand je frappe, lui, par contre, il... Lui, par contre, voilà. Il esquive tout ou il part, quoi. C'est... Moi, j'ai pas de bouton de parade comme ça, moi. Bon, après, je pense que c'est peut-être fait exprès pour nous apprendre à combattre. Je serai assommé au bout du compte. Enfin, ça me paraît bizarre, ça me paraît long comme tuto pour perdre le combat. Voilà, j'ai encore gagné un niveau en combat, c'est cool. Et encore une chop, la chop spé. Bordel. Et vas-y que je te pars tout le temps. Et moi je peux pas me bloquer comme ça. C'est-à-dire que si je bloque, voilà, il me chope de toute façon. Voilà. Voilà, quoi que je fasse. Que je fasse, il chope. Je sais pas comment il fait pour rater des coups de poing comme ça, mon personnage, quand même. Alors, voilà, moi mes coups de pied passent jamais. Voilà, il s'écarte, il s'éloigne. Oh oui, pour une fois, j'en ai mis un là. Mais voilà, il finit toujours par réussir à contrer. Et moi, je perds beaucoup plus de vie que lui, c'est impressionnant. Moi je veux choper aussi comme lui fait là. Pourquoi on m'a pas appris à choper moi? Moi on m'a appris juste frapper droit et faire des crochets quoi. Mais pourquoi il compte tout le temps? Attendez. Codex. J'ai raté un truc, c'est pas possible. Commande de base. Ok. Ça c'est les compétences, rien à voir. Et il n'y a pas les commandes de combat. Ça aurait été bien qu'ils mettent les commandes de combat quand même. Super, bon ça c'est pas super bien foutu, hein. C'est pas très clair.
là, mais il esquive tous, un truc de fou. Oh là, hey, c'est bon. Oh. Et lui, tous ses coups douches. Alors c'est automatique, peut-être en prenant des niveaux de combat à main nue qu'on va commencer à parer comme lui il fait automatiquement quoi. Quoi que je fasse, dès que j'appuie sur une touche pour frapper, c'est la parade quoi, c'est n'importe quoi. De coups pris. J'ai même pas l'impression de le blesser quoi. Il se protège tout le temps. Là c'est esquive, esquive, parade. C'est le boss final du jeu en fait. Voilà, blocage, blocage, esquive. Voilà. Ok. Alors comment je fais pour manger? Je vais ouvrir mon inventaire. Ce n'est pas du vol, j'ai récupéré la hache qui m'appartenait. Pas m'en équiper. Vas-y, viens de battre. Reviens de battre. Une raclée, ça t'a pas suffi? Mais vous devez toujours à mon père. Je te donnerai rien. Va donc lui répéter ça. Lève ne serait-ce que le petit doigt sur moi et je te fais jeter en prison. J'irai bien casser la porte. Alors, je vais récupérer ma vie. Et je vais revenir te voir. Et tu m'es tellement antipathique que je vais te tuer. Rien à foutre. Je pense que c'était fait exprès, c'est pas possible de mettre un PNJ comme ça au début. J'ai vraiment une fin de l'eau. Ou alors j'ai vraiment raté un truc au niveau des combats, mais... Maman, le monsieur, il fait rien que me faire mal. Maman. Ah. J'étais pas loin. Je suis blessé. Je n'arrête pas de saigner. Oh, allons. Cesse de pleurnicher comme un bébé et montre-moi. Et voilà, c'est réparé. Il faudrait que tu saches faire ça tout seul. Merci, maman. Ok, donc ça c'est bon. Alors, hache, ouais, nouvel objectif. Essayer de récupérer la hache, le marteau et les clous d'une autre façon. Ouais, donc on était forcé de perdre, c'est parce qu'ils me sont là. Donc j'ai réussi à récupérer la hache en la volant. Donc il reste les clous et le marteau. Il sait pas que je vais quand même revenir le tuer dans tous les cas. Hein. Là. Je ferais mieux d'aller me caler l'estomac. Faire votre toilette. Ouais. Je pense que le marteau et les clous doivent être à l'intérieur, c'est pour nous apprendre à rentrer chez les gens et à voler. Pourtant c'est bien chez lui que j'étais tout à l'heure et j'ai rien trouvé.
est d'accord. Un coffre fermé à clé. J'aurais besoin d'un crochet. Peut-être que Fritz en a un sur lui. Ok. Alors Fritz. Tu es où Fritz? Dur, ouais, ça a l'air dur. Bah, je sais pas, c'est peut-être moi qui joue mal aussi pour l'instant, hein, mais j'aurais aimé retrouver le tuto du combat parce que ça m'avait l'air bizarre, quoi. Le système de combat était pas fou en tout cas. J'attends de voir le combat à l'épée, ce sera peut-être plus parlant parce que là, à main nue, je comprenais pas. Quelle que soit la frappe que je faisais, il parait ou esquivait. Moi, des choses que je pouvais pas faire. Il y a juste une touche pour bloquer, mais. Ça faisait pas de parade comme lui usait, ça faisait pas des esquives comme lui usait. Fritz, il est où? Et ben, il est pas indiqué sur la carte. Alors, non, le garde c'était Janek, c'était pas Fritz. Fritz, c'est un pote à moi, il est forcément à la taverne du coup. Il doit être pas loin de la taverne. Hey, Brindille, ça te dit de venir apprendre deux ou trois trucs? Non. Le maître d'armes est là, c'est bon à savoir. Un petit parieur, c'est peut-être pour gagner de l'argent. La taverne avait l'air d'être par là. Devait faire, il devait enlever le roi et attirer son cousin Procope dans un piège et le faire emprisonner. Il devait nous envahir avec son armée de Tartares et prendre d'assaut Kuttenberg. Pourquoi pas? À quoi sert Venceslas en tant que roi? L'Empire est en train de s'effondrer entre ses mains. Les comtes germains ont élu Rupert du Palatinat comme roi parce que ton Venceslas ne veut même pas se rendre à leurs assemblées. Quoi, les comtes germains? Ce sont des traîtres. Désormais, Dieu te garde, Henri. Toi aussi, Mathieu. Que se passe-t-il? Le germain déraille. Quoi? Écoute-le un peu, tu comprendras. Quelqu'un doit rétablir l'ordre et réunifier l'Empire. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire des Autrichiens? Le diable en personne n'arriverait pas à supporter tous ces foutus papes. Qui est le vrai pape, d'ailleurs? Celui de Rome ou celui d'Avignon? Ne blasphème pas, Alex. Mais c'est vrai. Le roi Venceslas est le roi de Bohême. La noblesse de Bohême est de son côté. Je me fous de Rosenberg et de sa clique. Radzig. C'est le seigneur Radzig, le commandant en chef de Venceslas. Il est resté loyal envers le roi. Et s'il t'entendait parler, il te ferait fouetter comme un chien. Mon régime n'aura bientôt plus aucune terre à gouverner. Jobst a dû vendre le Luxembourg pour aider ton roi. La Bohème du Sud soutient Sigismund. Et surtout, n'oublie pas Kuttenberg. Et les germains dont ton genre ont baisé les pieds de Sigismund pour garder leur tête. Oui, mais... Mon cher germain. C'est peine perdue. Abordons un sujet plus agréable. Je n'en pense pas moins. Le germain est allé trop loin. Venceslas est notre roi légitime. Le germain est un idiot. Mais qu'est-ce qu'on y peut? J'ai ma petite idée. Le germain mérite une bonne leçon. Pas vrai, Fritz? Tout à fait d'accord. On ah ben voilà, Fritz. Une bonne raclée. Tu es fou. Tu veux finir au pilori? N'écoute pas, Fritz. Je suis mieux inspiré. La merde que raconte le germain me fait penser à cet énorme tas de fumier. Tu sais, celui juste à côté de sa maison fraîchement blanchie à la chaux. Tu proposes de la redécorer? Je suis partant. Ah, j'aurais préféré qu'on lui mette le feu. Mais l'emmerder, c'est pas mal non plus. Qu'est-ce que t'en dis, Henri? Le problème, c'est que j'avais des courses à faire pour mon père. Nous finissons l'épée de Seigneur Radzig. Allez, jeter quelques poignées de fumier, ça va pas nous prendre la journée. Et c'est notre devoir de défendre l'honneur de notre roi. Alors, Al, tu nous suis? Non, je préfère faire l'épée de mon père. Sacré chargement pour une petite cinématique.
pas que je ne voudrais pas donner à ce Germain une bonne leçon, mais je n'ai pas le temps. Tu me déçois. Bon, on va faire sans toi. Allez les gars, on est parti. Franchement, Al, comment tu peux louper une si belle occasion? Bon sang, l'estomac me tira. Non, par contre Fritz, j'ai besoin de toi. Écoute, il y a un coffre verrouillé que je veux forcer. Ah bon? Tu ne fais plus dans le commerce honnête maintenant? Non, ce n'est pas ce que tu crois. En fait, quelqu'un a des objets qui ne lui appartiennent pas et je dois les récupérer. Si tu le dis, moi ça ne me regarde pas. Je peux te donner les crochets que j'ai sur moi? Si tu te fais coincer, c'est pas moi qui te les ai refilés. Mais qui êtes-vous? Merci, Fritz. Voilà. On va les laisser faire leurs conneries, je suis sûr qu'ils vont se faire arrêter. Vous avez appris Pape Benoît XIII, ok, s'il veut. Alors, c'était par là sa maison, on va aller crocheter son coffre. C'est bizarre, j'ai cru voir un message Twitch s'afficher. Bon. Ça a disparu très vite. Hein. Alors, le coffre, il était là. Comment ça marche? Alors, Ed. Ouais, ok, bon. À l'écrit, ça veut pas dire grand chose, on va essayer. Ok. Hey vous, ne bougez pas de la pause. Quoi? Je suis en train de lire le tuto, monsieur. Les bois vous ont aperçu en train d'essayer de crocheter des serrures. C'est faux, je lisais un manuel. Faire ce que vous avez fait. Vous êtes bon pour une grosse amende. Alors, ah non, tout mon or, non, certainement pas. Tout doux. Bon, ça suffit. Oh, mais vous ça marche jamais, les trucs. Hein. Mais je suis au service du seigneur de Raté. Vous feriez mieux de le prendre en compte. Essayez d'amadouer quelqu'un d'autre avec vos histoires. C'est beaucoup trop. Je n'ai pas autant d'argent. Vous devez toujours payer la condamnation. Vous devrez tenir le coup en prison. Non. Vous, arrêtez-vous tout de suite. Fuyons. Ah, il y a un embargo. Bah, j'en sais rien. Moi, je suis pas. J'ai pas signé de NDA, je suis pas journaliste. Le jeu, il est trouvable en magasin, hein. Vous allez dans un Leclerc ou dans un Micromania, le jeu est en rayon, hein, donc... C'est pas un jeu tombé du camion, hein. Attends, du coup, je lis le truc et les mecs sont en train de me frapper. Maman, papa, sortez les épées. Bon, bah c'est pas grave. Continuez, je sais pas s'il y a une sauvegarde automatique ou pas quelque part. Donc j'ai réussi à gagner aucun de mes dialogues. Et
Et le tuto crochetage, on te laisse pas 30 secondes qu'un garde arrive déjà pour te choper, quoi. Ah. D'accord. Donc là, en fait, j'ai quelqu'un qui me dit que je n'ai pas le droit de streamer le jeu. Il me dit qu'il ne comprend pas le français, qu'il faut juste que j'arrête le flux. Ok. Ouais. Alors, je vais répondre en anglais avec un anglais hyper approximatif. Comment on dit signe? Alors, j'en sais rien. Commence à avoir faim. Les mecs disent qu'il y a un embargo sur le jeu, je veux bien, ouais. Que les journalistes pour les tests et tout, qu'ils aient un embargo, que les gros streamers qui sont payés pour diffuser le jeu, qu'ils attendent tous le jour de la sortie avant de faire leur stream. Mais bon, moi je suis un mec lambda, hein. J'ai trouvé le jeu en magasin, on peut y jouer, c'est idiot de bloquer le stream, quoi. En plus, mon anglais est tout pourri, donc parler au mec c'est difficile. Et le mec il comprend pas, le jeu est sous embargo, mais je m'en fous. C'est... Les journalistes et les gros streamers, oui, ils signent des NDA. Mais là, le jeu, tout le monde peut l'avoir en magasin, en France, en tout cas. Vous allez dans votre micromania le plus proche. C'est là où je l'ai trouvé, en l'occurrence. J'imagine que j'essaye dans les Leclerc aussi. Donc j'imagine que dans d'autres grandes surfaces, on trouve le jeu aussi, déjà, actuellement. Du coup, j'en étais où, moi, dans la sauvegarde? Je l'avais parlé déjà ou pas? Non. Mon père m'envoie récupérer son dû pour la hache, le marteau et les... Ouais, s'il y a notre choix de dialogue, on verra s'il veut toujours se battre. On va essayer de le provoquer ce coup-ci. Mon père a dit que si vous ne le remboursiez pas, il viendrait vous planter ses clous dans le fondement. J'aimerais bien voir ça. Va te faire foutre, merdeux, ou ton vieux père devra retirer ses clous de ton corps. Donc j'ai fait l'éloquence tout à l'heure. Lui, il est assez chaud aussi sur la menace, donc je pense pas que ça va l'aider. Est-ce que si je le menace que mon père vienne, ça va changer quelque chose? Je vais dire à mon père que vous ne voulez pas payer, et vous vous expliquerez avec lui. Merci Texpi, ton niveau d'anglais est largement meilleur que le mien. Du coup, j'ai pas regardé par rapport à sa réponse, donc déjà ce coup-ci on se bat pas. Je vais aller voir mon père du coup pour lui expliquer la situation comme il le dit là. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Ouais, alors peut-être, alors mais... it's not my fault if shop sells again in France.
toute façon, j'ai juste prévu de faire une petite heure sur le jeu, là, donc ça va faire une heure, je compte arrêter pour 18h, une heure et demie. Mon père, il est là. C'est reparti. Je ferais mieux d'aller me caler l'estomac. Ok, ok, bon bah. Je vois bien que c'est des mecs de chez l'éditeur, j'imagine. It's ok, I stop the stream. Bon, bah voilà, bah. Les mecs insistent, hein, ils veulent vraiment qu'on arrête le stream, donc je vais continuer le jeu en off. Désolé pour ceux qui voulaient voir peut-être un peu plus du jeu, on aura vu que vraiment le tout début du coup, donc je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mais bon, bah, je vais arrêter là, pour le stream en tout cas. Bonne fin de journée à tous, en tout cas le jeu a l'air quand même très sympa. Et bah, on verra ça plus tard, à partir de mardi, parce que c'est mardi 13 janvier qui sort officiellement normalement. Quoi. Ciao, à plus! Voilà, j'ai un petit mot de... Il était temps. Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé? Je suis allé voir Kunesh, mais il ne voulait pas payer et m'a menacé. J'aurais dû m'en douter. J'irai lui régler son compte ce soir. Je n'ai pas de temps à perdre avec lui maintenant. Je peux m'occuper de lui. Eh bien, tu es un homme désormais, et un homme doit se faire respecter. Donne à ce pochard ce qu'il mérite. Mais fais bien attention, il a l'habitude de se battre. Et surtout, un mot à ta mère. J'irai bien casser la croix.